On est ravis de d'accueillir Idriss chez nous. Ce sera en prêt pour les 5 mois et demi qui viennent. partir du moment où il y a un bon projet, il y a une idée qui est en place et qui me convient, alors j'ai décidé de venir à Reims. À Saint-Étienne, c'était un peu bouché dans le secteur offensif, donc je ne pouvais pas trop démontrer de quoi j'étais capable. Là, je vais à Reims pour essayer de m'imposer et d'apporter tout ce que je peux apporter à ce club. J'aime bien les ballons en profondeur, ça, on va dire c'est plus mon registre. Après, j'essaye aussi de travailler le secteur de haut jeu, parce qu'il faut qu'un attaquant aussi sache un peu tout faire. Quand on commence à faire 3 ans en CFA, on commence à avoir de l'expérience au niveau CFA. Et c'est ce qui me manque entre guillemets au niveau professionnel. Donc c'est pour ça que je viens aussi chercher de l'expérience, du temps de jeu, qui permettrait après de passer des caps et d'améliorer mon niveau. Le temps de jeu, ce que je lui ai dit, il faut qu'il aille le gagner. Mais il en a les capacités. C'est un joueur qui se déplace bien, qui malgré sa taille qui n'est pas extraordinaire, mais il possède un très bon jeu de tête, un bon timing. Il est déjà, même s'il est encore jeune, mais il est relativement puissant. Il a encore des points à travailler. Et puis nous, on sera exigeant là-dessus, notamment de haut but. Mais voilà, il est à l'aise aussi dans la finition. Bon, jusqu'à maintenant, ça a surtout été prouvé en Gambardella et en CFA. Mais marquer des buts en CFA et même en Gambardella, c'est déjà pas facile. Et quand on est capable de le faire, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas capable d'être efficace devant le but en Ligue 2.